Yo tout le monde, c'est Santa Gotray, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture de notre calendrier, tout de suite le générique. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Alors aujourd'hui nous ouvrons la case du mardi, du mercredi et du jeudi. Et pour commencer notre ouverture, notre mardi, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu un nouveau Stormtrooper, les meilleurs Stormtroopers que Lego n'ait jamais sorti jusqu'à présent. Ces Stormtroopers, ils sont juste magnifiques. Regardez-moi cette sérigraphie sur le torse et sur le dos. Le casque est vraiment super stylé. Le backpack à l'arrière est mieux que quand il était intégré au casque. Donc voilà, vraiment bravo pour cette pièce. Hein. Je suis très content d'en avoir un autre, puisque je crois qu'on en avait déjà eu un. Il y en avait un de ce même style dans les Snow Speeders de l'année dernière. Donc voilà, vraiment une très très belle pièce. Très content de l'avoir eu ce mardi. Et donc sans plus de perte de temps, je ne sais plus parler. Sans perdre de temps, nous allons passer au mercredi. Et mercredi, qu'est-ce que nous avons eu? Mercredi, nous avons eu les premières, les premières petites constructions fantasy de Lego. Vous savez qu'à chaque fois, ils nous laissent des trucs de bataille, de boules de neige un petit peu. Et bien là, nous avons eu une sorte de bonhomme de neige impérial avec un casque de gradé impérial, voilà, et une petite carotte et donc un petit lanceur de boules de neige. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très mignon entre guillemets et vraiment très très funky à construire, et voilà, je vais le garder. C'est vrai que c'est relativement rigolo. Donc voilà, on en avait eu un peu l'année dernière, il y avait quelques petites choses comme ça, donc je trouve ça toujours super sympathique de la part de Lego de mettre ça. Et voilà, donc ça c'était pour le mercredi 7 décembre. Et donc aujourd'hui, jeudi 8 décembre, eh bien nous avons eu une tourelle que l'on peut prendre en main. Donc c'est assez bien, elle est plutôt bien réussie. Voilà, comme quoi avec peu de pièces, on peut faire quand même un truc d'assez stylé. En tout cas, moi j'aime pas mal le design de cette petite tourelle. Donc peut-être une tourelle de hotte, hein, puisqu'on le voit, le socle est dans la neige. On peut supposer que c'est une tourelle de hotte. En tout cas, je la trouve super sympathique, cette tourelle. Et je vais peut-être la mettre dans un de mes mocs, on verra. En tout cas, je vais m'en inspirer pour faire mes mocs. Je la trouve vraiment, vraiment stylée, je le répète. Donc voilà, assez content de ce qu'on a eu ce petit bout de semaine. Donc je rappelle, mardi, mercredi et jeudi. Lundi, on se retrouve pour l'ouverture de vendredi, samedi, dimanche et lundi. Je pense qu'on devrait avoir un personnage, quoi qu'on en a eu quand même 3 relativement tôt. On verra, mais je pense qu'on aura sûrement un personnage et un vaisseau. Voilà, donc je table sur un personnage, un vaisseau et 2 trucs un peu fantasy, style une tourelle, style un truc pour balancer de la neige, etc., etc. Donc voilà, on verra ça lundi. En tout cas, j'espère que cette petite ouverture vous a plu. Je vous invite à aller voir les précédentes pour voir ce qu'on avait eu la semaine dernière. Et puis je vous laisse, je vous fais à tous des gros bisous. Et je vous dis à lundi, ciao.